Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer avec moi à la découverte d'une brume noire mystérieuse qui libère d'étranges créatures et qui menace d'engloutir la cité de Crevette. Vous l'aurez compris aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un roman de fantasy. Il s'agit de Chevauche-brume, écrit par Thibaut Latil-Nicolas et publié aux éditions Mnemos. Il est vendu au prix de 19 euros et moi j'ai eu la chance de me le procurer à la Foire du Livre de Bruxelles où l'auteur m'a gentiment dédicacé son livre. Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on va y suivre une troupe de guerriers ainsi que des cavalières et un mage mystérieux qui va être accompagné de son apprenti. Et l'objectif de cette horde, ça va être de découvrir, en fait, de se plonger dans cette brume noire et de découvrir d'où viennent les créatures surnaturelles et comment ils peuvent empêcher ces créatures surnaturelles de prendre le dessus sur toutes les cités qui l'entourent, puisque la brume, elle commence à s'étendre un peu partout et à menacer les habitants. Et donc, personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. En fait, au départ, j'ai été un peu surprise parce qu'on n'entre pas dans le vif du sujet directement de la brume noire. Au départ, on a vraiment tout ce déroulement. On découvre la 9e compagnie, donc qui est exclusivement constituée d'hommes. On découvre les personnages, on découvre aussi, on suit beaucoup les combats. Il y a énormément de combats dans ce livre. Il n'y a pratiquement que ça d'ailleurs. Et on découvre cette 9e compagnie, qui ils sont, ce qu'ils font, et petit à petit, eh bien, ils vont se rendre en fait pour voir le roi, pour lui expliquer un peu ce qui se passe dans les cités. Et c'est là que le roi va leur confier en fait la mission d'aller chasser entre guillemets la brume noire. Et c'est là que vont se joindre à la 9e compagnie des cavalières, donc des femmes, ainsi qu'un mage qui va avoir pour objectif de découvrir d'où vient la magie de la brume noire. Et donc déjà, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'on n'a pas que des hommes. On a aussi des femmes qui sont des héroïnes, qui sont des femmes très fortes. Et on n'a pas de fond d'histoire d'amour, en fait. Il n'y a pas d'histoire d'amour dedans. Il n'y a pas de romance entre la 9e compagnie et les femmes. Pas du tout. Les femmes sont au rang des hommes. Et elles ne sont pas là pour créer une histoire d'amour, mais bien pour se battre aux côtés des hommes. Et ça, c'est vraiment un point que j'ai bien apprécié. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le côté magie, le côté mystère qu'on a ajouté à ce roman. J'ai bien aimé l'accompagnement des deux mages. Par contre, ce que je peux peut-être déplorer un peu dans ce roman, c'est le fait qu'on ne s'attache pas trop aux personnages parce qu'on n'en apprend pas beaucoup sur eux, en fait. On nous les montre comme des guerriers, mais à côté de ça, il faut vraiment du temps pour... Par exemple, moi, j'ai adhéré au personnage de Bellon, qui est... celui qui s'occupe des animaux, mais pour les autres, je suis même incapable de vous dire en fait leur nom. Tout simplement parce que l'auteur, je pense, n'a pas souhaité qu'on s'attache vraiment au personnage, mais plutôt à son histoire. Et donc c'est un roman qui m'a fait quand même sortir de ma zone de confort, parce que j'ai pas l'habitude de lire des histoires où on n'a pratiquement que du combat tout le temps, à chaque page. Mais en même temps, ça a été une très agréable découverte, parce que même si ça m'a fait sortir de ma zone de confort, c'était agréable à découvrir, ça se lit très vite. Ça se lit très bien aussi. On a un vocabulaire qui est un peu dans le thème médiéval, au niveau des armes, au niveau des armures aussi. Mais ça m'a pas dérangé, bien que ce ne soit pas ma zone de confort. Non, franchement, ça m'a pas dérangé du tout. Et j'ai trouvé ça bien expliqué, bien détaillé. Et au niveau des combats, c'est sanglant, mais ça va encore. Moi qui suis plutôt sensible à tout ça, j'ai trouvé que c'était modéré. C'était bien. Et donc, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur ce roman, à part que c'est, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez les récits de guerre avec beaucoup de combats et un peu de mystère et de magie, je vous conseille vraiment ce roman, cette lecture. Et pour ma part, je pense que je vais acheter le tome 2, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai encore énormément de livres à lire et en cette période de confinement, c'est pas le moment pour acheter des livres. Mais par contre, je pense que je vais continuer en fait la suite parce que ça s'arrête un peu. Oui, c'est une fin, c'est certain, mais si on a envie de continuer en fait le voyage avec la 9e. Alors on a été coupé, mais je vous disais qu'on avait vraiment envie, au vu de la fin en fait, de connaître la suite des aventures de la 9e compagnie et des cavalières. Et pour ma part, je pense que j'ai terminé pour cet avis. C'est un avis très court, mais un avis positif. Et en même temps, j'ai pas grand-chose d'autre
à vous dire sur ce roman, si ce n'est que c'est un bon roman de fantasy avec beaucoup de combats et qui en même temps m'a séduite par l'égalité homme-femme qu'on nous a montrée ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire en me disant si ce format de vidéo très courte vous plaît. En attendant, je vous embrasse.